La diversité, hein, et la mixité dans une organisation est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, d'abord, la population mondiale est composée de plus de 50% de femmes. 60% des college graduates sont des femmes, et ça, c'est universel dans le monde entier. 70% des décisions d'achat sont faites par des femmes. Donc, il est fondamental, si on veut être une entreprise qui attire, qui retient les talents, une entreprise qui est innovante, une entreprise qui est créative, il faut avoir des équipes qui sont diverses. Et c'est prouvé du reste par des études. Donc ça, il faut l'expliquer. Il faut construire ce qu'on peut appeler un business case, hein, bien expliquer pourquoi c'est important. Et ensuite, il faut former. Et pour ça, il faut organiser des formations, pas simplement pour les hommes, mais pour les femmes aussi. Il faut avoir des formations qui sont mixtes. Mais il faut expliquer qu'aujourd'hui, il y a énormément de stéréotypes, il faut les montrer, les expliquer, il faut expliquer qu'il y a énormément de barrières à l'intérieur des entreprises qui ont été organisées autour des hommes. Et donc, il faut changer ces choses-là, il faut changer les processus. Par exemple, hein, il faut travailler sur la flexibilité du travail, il faut travailler sur le recrutement des personnes. Si aujourd'hui, on continue à recruter de la même façon et à ne pas exiger que dans le pool de candidats, il y a un nombre égal de femmes et d'hommes, on continuera à perpétuer les habitudes. Donc il faut vraiment changer les processus de management. Il faut donc investir, se donner des objectifs, mesurer ces objectifs, mettre des outils en place et travailler, et surtout ne pas changer de stratégie. Souvent, il faut être très, très, très centré sur l'objectif et sur le résultat qu'on veut obtenir. Alors, précisément, est-ce que les hommes ont peur de ces programmes? Ben, précisément, au début, c'est toujours un peu inquiétant, mais vous seriez très étonné, au bout d'un certain temps, tout le monde adhère. Pourquoi? Parce que tout le monde comprend bien l'importance d'avoir ce genre d'initiative à l'intérieur d'une entreprise. C'est la réalité du monde. Aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans le monde. On ne peut pas nier toutes ces réalités. Et donc, quand on l'explique, quand on montre que ça bénéficie à tout le monde, eh bien, les hommes, comme les femmes du reste, adhèrent.